On va parler sport, jeux de la francophonie. La République démocratique du Congo aligne plus de 100 athlètes dans les différentes disciplines. La première délégation, constituée de plus de 20 personnes, quitte Kinshasa demain, sauf imprévu, en direction de la France où va se dérouler le tournoi. Et puis le football, dans le but de recruter les nouveaux joueurs, le Daring Club Moté Mapembe de Kinshasa a repris ses entraînements depuis hier au stade de Tata Raphaël sous la direction de Médard Loussadisso, directeur technique du club. Le Daring Club Moté Mapembe, club de la capitale congolaise Kinshasa, a effectué hier son tout premier entraînement dans le stade Tata Raphaël de Kinshasa, sous la houlette de l'entraîneur Médard Loussadisso, qui a assuré la direction technique de la famille Vert et Blanc, que ces entraînements permettraient de recruter des nouveaux joueurs. Les entraînements, nous les appelons semaine d'évaluation. Nous manquons un avant-centre et d'autres joueurs. L'entraîneur appelle les joueurs qui aimeront rejoindre le DCMP et il va les tester un par un. Vous devez savoir que les Daring s'organisent. Nous avons l'entraîneur, la coordination, tout est en ordre. Ceux qui ont les invitations peuvent venir s'entraîner. Après, ils vont signer le contrat pour rester au sein de l'équipe. Donc, la minute yo, mutoa banga na été, ceux qui ont eu l'invitation na aya ko s'entraîner, akoya ko s'entraîner. Les entraînements se poursuivront au stade Tata Raphaël jusque jeudi prochain dans le but de peaufiner l'ossature du club.